Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Allez, santé, santé, bien-être spirituel, je vais aller zoomer au niveau, on va prendre le précieux conseil message que vous avez à recevoir aujourd'hui pour dans votre spirituel et après je vais aller zoomer au niveau de la santé, sur la situation au niveau de la santé d'une personne, santé, bien-être spirituel. Et on va voir tout ce que je peux partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous vous portez tous et tous très très bien. Je tiens à vous remercier pour votre participation, présence sur la chaîne, peu importe quelle qu'elle soit. Merci, merci, merci. Je partage mon écrit. Bien sûr, c'est du général. Vous faites bien preuve de discernement. Tous les messages ne pourront pas vous parler. C'est normal. On découvre donc le précieux conseil. Message, encouragement du jour. Alors, je vois que vous. Alors là, vous avez fait, il y a une personne qui a fait de bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. On vous recommande de vous tenir, aujourd'hui de vous tenir prêt, car tout peut se décanter rapidement. On vous recommande aussi de faire une pause. Et ayez aussi de nouveaux projets. Ayez de nouveaux projets. Voilà. Allez, je partage donc mon écrit. C'est du général, vous faites bien preuve de discernement, donc au niveau de la santé, du bien-être d'une personne. Donc je partage l'écrit du jour. Alors comme je vous le dis, hein, ça peut vous parler quand vous l'écoutez, ou alors ça peut aussi vous parler pour une personne de votre famille. Un ami, une amie, une personne que vous connaissez, une personne inconnue. Voilà. Et si vous tombez sur l'un de mes messages sur ma chaîne, il n'y a pas de hasard. Voilà. Allez, je partage. Alors, aujourd'hui. Aujourd'hui. Je peux avoir une personne. Je vois une personne qui va récupérer absolument tout au niveau de son langage. Peut-être qu'au niveau. Là, pour une personne, au niveau de son langage. Peut-être au niveau de son langage, vous, ou alors la personne que vous connaissez, je peux avoir une personne en tout cas. Au niveau du langage, pour moi, on peut vous, cette personne peut avoir un blocage, un blocage au niveau du langage, de son langage. Ça peut être suite à un accident, tout type, quel qu'il soit, parce que c'est du général, ça peut être suite à un accident, un choc. Ou alors à une maladie, d'accord? Je peux avoir sur la situation une voix, votre voix est bloquée, votre langage est bloqué. Alors ça peut être vraiment selon le degré du blocage, ça peut être une personne qui parle un tout petit peu, qui articule un tout petit peu ou plus du tout. D'accord? Donc ça peut être vraiment un langage qui est totalement bloqué, totalement verrouillé, qui ne parle plus, qui ne bouge plus les lèvres, ou alors très peu, ou alors qui les bouge, ou alors que peut-être qu'on ne comprend pas. D'accord? Ou très peu, ou pas du tout. Voilà. Ça peut être littéralement bloqué, la voix peut être totalement bloquée, et c'est suite pour moi après un accident. Ou alors. La personne essaye de parler en mimant un petit peu avec ses lèvres. Elle parle un petit peu du bout de ses lèvres, voyez? Très peu, c'est très léger, c'est bloqué, c'est bloqué. Langage, langage, langage. Langage, la voix. Au niveau aussi des lèvres, voyez? Au niveau de la mâchoire aussi. Il peut y avoir un blocage. Je peux avoir un blocage au niveau de la mâchoire. Voilà, tout ce qui est
Au niveau de la bouche, du langage. Sur la personne, je vois même. Alors, ça peut être donc un. J'ai un gros blocage, donc au niveau voix. Peut-être mâchoire, peut-être bouche, peut-être lèvres, peut-être. Ça peut être aussi au niveau de la mastication aussi. La mastication aussi, ça peut être aussi ça. Sur cette situation-là, ça peut être ça. Donc, c'est suite à un accident, peu importe quel qu'il soit, à un choc, peu importe quel qu'il soit. Ça peut être aussi une maladie, d'accord, liée à une maladie. Sur la situation, je vois que vous allez reparler comme avant. J'ai une reprise. Une reprise, vous allez reparler comme avant. Le blocage va se retirer en totalité et la personne, vous ou la personne que vous connaissez, ou un ou une inconnue, je vois que vous allez reparler sur la situation-là, vous allez reparler comme avant. Reparler. Tout va, en fait, tout ce qui est bloqué actuellement sur cette situation, je vois que tout le blocage va partir en totalité, ce qui va permettre de reparler à cette personne et aussi peut-être de mastiquer, de remastiquer, de mastiquer, de remastiquer. Et je vois que vous allez reparler comme avant. Ou alors la personne que vous connaissez, connue, inconnue. Je vois que dans cette situation-là, cette personne va reparler comme avant. À l'heure actuelle, ça peut être une personne peut-être qui n'arrive pas à sortir du blocage. Mais une fois que cette personne, que le blocage va être guéri au cœur, cette personne va pouvoir reparler des suites d'un accident, d'un choc. Il y a une récupération de voix. Voix, langage, ça peut être donc inexistant, plus du tout, ou alors un tout petit peu, d'accord? Très peu, très très peu. Voilà. Donc il y a une réparation, une récupération totale après le blocage. Et voyez, la situation va se transformer. Ça peut être sur un temps limité, c'est durant cet automne. D'accord? Donc là, il y a une transformation de la situation au niveau de la santé, du bien-être d'une personne, c'est durant cet automne. Ça peut être aussi aller extrêmement vite, hein. Parce que des fois,
Des fois, on peut penser, là, ça peut vous paraître en fait un blocage vraiment énorme, voyez? Infranchissable, insurmontable, peut-être impossible, mais en fait, si, hein, tout va se transformer en possible, hein, et ça peut être très vite, hein, vraiment. Donc voilà, il va y avoir soit une guérison, soit un miracle de guérison dessus sur la situation, d'accord? Et voilà, il va y avoir donc une guérison au cœur. Une guérison au cœur, un miracle. Ça va être au cœur. Et c'est suite à un accident, à un choc, peu importe quel qu'il soit. Ou alors à une maladie, d'accord? Mais la situation va se transformer, ok? Voilà, je vous le souhaite. Je vous souhaite une merveilleuse journée. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sous la vidéo, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et que vous désirez le faire. Des petits commentaires sous la vidéo, j'adore vous lire. À vous abonner, donc si ce n'est toujours pas fait et que vous désirez le faire, c'est gratuit. Et à mettre des pouces. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc. etc. À bientôt!